Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon petit déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. Cria Pierre, et l'oiseau, aussitôt, s'envola sur l'arbre. Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. « Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin.